Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va vous parler les trois prophéties inquiétantes de Nostradamus qui pourraient se réaliser en 2020. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. C'est parti. Michel de Nostradamus, dit Nostradamus, est un apothicaire français né au 16e siècle. D'abord un brillant médecin, il est cependant plus connu pour être un pratiquant de la divination. Nostradamus usait d'astrologie, de prédire le futur. Découvrez donc ses prédictions pour l'année 2020. L'année 2020 nous réserve bien des catastrophes si l'on en croit les écrits de Nostradamus. En voici les trois prophéties inquiétantes de Nostradamus qui pourrait se réaliser en 2020. Un tremblement de terre destructeur. Selon Nostradamus, l'humanité sera témoin d'un tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu auparavant. Un tremblement de terre qui touchera l'Amérique du Nord et qui sera tellement destructeur qu'il ensevelira une partie des terres nord-américaines. Un conflit mondial d'une ampleur incroyable. Nostradamus aurait prédit une guerre sans précédent. Certains analystes pensent que cela fait référence à une supposée troisième guerre mondiale, une guerre qui ferait beaucoup de dégâts humains. Le changement climatique prendra de l'ampleur. La fonte des glaciers n'est plus un secret. Selon Nostradamus, ces fontes pourraient s'accélérer et le changement climatique s'en retrouverait encore plus exacerbé. Nostradamus aurait donc prédit plusieurs ouragans qui détruiront plusieurs pays. Cela engendrera des conflits entre les pays et encore plus de guerres. Une crise économique. Nostradamus aurait prédit une crise économique qui pourrait avoir des conséquences humaines désastreuses. Cette crise toucherait plus spécifiquement les pays occidentaux. Que l'on croit à ses prédictions ou non, il faut avouer que ce personnage bien mystérieux n'a cessé de faire parler de lui, même des siècles après sa mort. L'art de la divination a en tout âge intrigué et notre ère n'y fait pas exception.